Tout commença ce fameux jour. Nous étions partis pour un voyage avec mon enfant. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ladies and gentlemen, we are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Après ce fameux accident, j'essayais de me réveiller. Tout ce que j'ai pu observer, c'était mon enfant qui se enlevait. Journal de bord, journée numéro 1. Je me réveillais, je ne sais où, un peu abattu par les souvenirs qui me hantaient. J'avança doucement dans ce qui était apparemment un navire. Je récupéra ce que je trouvais un peu partout. J'étais toujours en train de me poser des questions à savoir ce qui s'était réellement passé. Je crois que c'était un rêve, mais malheureusement, sans mon enfant, je me rends compte que c'est la réalité. Alors je récupérais quelque chose à droite à gauche qui pourrait me servir peut-être un jour, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je fais un peu le tour du navire pour voir exactement ce qu'il se trame dans cette histoire. Le nounours, on se demande à qui il appartient. Tiens, une photo. Qu'est-ce-t-il? Apparemment, quelqu'un d'heureux. Une boîte de lit sur une table vide. Avec un avis de recherche d'un inconnu. Mon petit journal que j'avais récupéré dans l'avion, mon enfant vraiment avait de bonnes idées. Que sait-il? Cher inconnu, nous vous avons recueilli suite au crash de votre avion. Dans le coma suite à vos blessures, nous avons essayé de prendre soin de vous. Malheureusement, vous ne vous réveillez pas. Nos compagnons disparaissent les uns après les autres. Je reste sur le bateau près de vous. Il y a donc quelqu'un dans le navire. Mais je vais d'abord regarder s'il n'y a pas autre chose dans ce fameux livre. Ça pourrait sûrement me servir par la suite. Quelques petits inventaires intéressants, mais je ne sais pas encore à quoi ça sert. Je ne sais vraiment pas si ça va m'être utile ici. Mon enfant avait vraiment des drôles d'idées à avoir ce petit bouquin avec lui. Bon, j'ai fait le tour. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à regarder pour l'instant peut-être. Tiens, des crafts. Ça pourrait m'être peut-être utile un jour. Voilà, j'ai pu faire le tour, mais il y avait quelqu'un avec moi. Oula, qu'est-ce?
Je vais regarder d'abord la photo. Un monstre. Quelle est cette histoire? Je vais peut récupérer ce qu'il y a à droite, à gauche. Mais je ne comprends pas. Quel est ce corps? Que fait-il là? Pourquoi? Surtout, comment est-il arrivé ici? Car si c'est cette personne qui était à mon chevet, depuis combien de temps étais-je dans le coma? À mon avis, ce corps n'était pas là par hasard. Il a été déposé par quelqu'un, mais qui? Et vais-je trouver cette personne en sortant? Je vais aller voir ça. Peut-être. Je ne pense pas que je sois la seule personne ici, vu qu'il y avait des gens dans ce navire. Cette fameuse photo. Quelle est cette bête? Je pourrais appeler ça comme ça. Car je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et je ne pense pas vouloir le savoir. Ce bateau pourrait être un refuge. Mais que lui est-il arrivé? Il fait presque la fin de la journée dehors. Je me réveille vraiment pas au bon moment. Un livre sur un bateau. Ça pourrait m'être peut-être utile. Je vais essayer de voir un peu là-bas. S'il y a quelque chose d'intéressant. Oh, il y a des cordes. Peut-être serait-ce utile par la suite. Récupérons-les. Par contre, effectivement, le bateau est apparemment bloqué. Il ne pourra sûrement plus s'en aller. C'est une île, mais que cache-t-elle apparemment? Je ne sais pas. Au loin, on ne voit rien. Mais la question que je me pose, comment et pourquoi suis-je là? Je vais essayer d'aller voir un peu plus loin, peut-être sauter du bateau. Cette photo me fait vraiment peur. Ai-je vraiment envie d'aller sur cette île? Mais malheureusement, je n'ai peut-être pas d'autres moyens. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Apparemment, la journée se termine. Je verrai peut-être ça demain. En tout cas, je ne sais pas à quoi m'attendre. Cela me chamboule trop. Je ne sais vraiment pas à quoi m'en tenir. Et ce bateau qui est apparemment bloqué, mais qui pourrait faire un bon refuge pour pouvoir m'endormir. Je verrai ça demain. Je suis trop fatigué. Je me demande vraiment ce qui a pu se passer ici. Une maquette de bateau dans un bateau, vraiment bizarre. Bon, dormons et voyons ce qui se passe demain. Jour 2. Bon, cette nouvelle journée commence. Maintenant, j'ai
quelques idées sur ce qui a peut-être pu se passer. J'y réfléchis toute la nuit et je pense que je vais aller faire un tour sur cette île. Je vais peut-être trouver quelque chose. Peut-être. J'espère que c'est pas la fin. Oh, qu'elle est froide. Je me rappelle encore ce jour. La première nage vers cette île. Ça m'avait fait quelque chose. Je me posais toujours ces drôles de questions. Pourquoi étais-je ici? Et qui était devenu mon enfant? Cette île a l'air un peu accueillante. Il y a de la vie en tout cas. Il y a quelques détritus à droite à gauche. Je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Que vois-je au loin? Oh, ne me dites pas que c'est. Mais si, une tombe. Serait-ce une des personnes restées de ce navire? Car malheureusement, elle a été enterrée. Une photo. Qu'était-ce? Une photo du navire qui était en bon état. Donc quand ils sont arrivés ici, ils n'étaient pas échoués. Je me pose vraiment de drôles de questions. Qu'était-il arrivé à leur navire pour qu'ils s'échouent dans les corails près de l'île? Mais pourquoi cette personne était décédée? Et comment elle était enterré. Des valises. Je vais voir récupérer ce qu'il y a dedans, ça pourrait peut-être être utile. Des bandages, ça pourra me servir pour la suite. On ne sait jamais. Une île comme ça, désertique, pourrait être peut-être accueillante ou pas. Des médicaments. Pourquoi pas? On verra ce qui en découlera. À manger, ça pourra m'être utile. Encore des pansements. Vraiment bizarre. Je me pose vraiment des drôles de questions. Des bâtons de dynamite. Que ça fait ici? Des animaux comme ça, sur une plage, on dirait qu'ils ont été ramenés. Ils ne se sont pas échoués par hasard. D'autres valises, récupérons ce qu'il y a dedans. Encore des médicaments. Je me demande vraiment d'où viennent ces valises. Peut-être du crash de notre avion. J'en ai absolument pas la réponse. En tout cas, ça pourra me servir, vu que je ne trouve personne de vivant pour l'instant. Sachant que personne n'est venu au bateau pendant la nuit, je me pose vraiment des choses à me dire. Suis-je cette dernière personne en vie? Je n'espère pas. J'espère trouver des personnes qui étaient de ce bateau, qui pourront me répondre à toutes mes questions. Je me dis qu'il y a peut-être une solution. Encore des médicaments. Drôle de valise. Vais-je aller voir derrière? Ça serait peut-être une solution. Voir s'il y a quelque chose aux alentours. Je ne suis pas très friand de me déplacer comme ça, sans savoir ce qu'il y a derrière. La peur de l'inconnu, sûrement.
Je n'ai jamais eu envie vraiment de voir les choses de la vie. C'était plus simple avant de voir toutes ces choses, ne pas se dire que vais-je faire demain. Et là, me retrouver ici, au milieu de toute cette végétation, sans personne pour pouvoir répondre à toutes mes questions. Tu bois. Ça pourra m'être utile par la suite. Je m'avançais un peu comme ça au-dessus de cette falaise pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à trouver. Ce grand arbre au bout là-bas, j'irai peut-être en faire un tour tout à l'heure. Je verrai ça. Je préfère marcher prudemment, on ne sait jamais. Qu'y a-t-il au loin là-bas? Je ne sais pas. Je suis perdu. Mais éloignons pas trop du bateau. On ne sait jamais. Je vais quand même aller voir ce qui se trame. Je ne vois pas très bien. Oh, de l'orage. Étonnant. Il ne pleut pas encore. Ça va arriver dans pas longtemps. Je m'approche enfin de cette chose que je voyais au loin. Bizarre. Une tente. Y aurait-il de la vie ici? Allons voir. Oh mon Dieu, un sac. Y aurait-il quelqu'un? Oh du sang. Oh non, ne dites pas que. On dirait que quelqu'un était là il n'y a pas si longtemps. Un manuel de survie comme le mien. Tiens donc. Je pourrais peut-être dormir ici un jour. Je ne sais pas encore. J'espère pas. Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas très rassurant. Du sang. Aucune vie. Drôle d'île. Et cette ancre. Y aurait-il eu un bateau un jour? Un bateau de croisière peut-être. Vraiment ce camp. Cette tente. C'est vraiment bizarre. Un ordinateur? Non. Un livre? Un livre bizarre. Comme tout ce qui est ici. Un livre sur le camping. Tiens donc. Serait-ce une bouée de notre fameux bateau? Je ne sais pas. Ni cette ancre. Y aurait-il eu un grand navire qui serait passé par là, il n'y a pas si longtemps? Je me pose vraiment beaucoup de questions, et malheureusement, toujours personne pour y répondre. Et ce ciel, qui ne nous dit pas, quelle heure est-il? Encore des requins morts. Drôle d'île. Mais allons voir ce fameux arbre qui me fait poser quelques questions. Pourquoi cet arbre en plein milieu et au bord de la falaise? Pourquoi rien autour? Je préfère quand même marcher prudemment, on ne sait jamais. Un accident serait si vite arrivé. Et il n'y aurait personne pour m'aider. Une plante, ça pourrait être utile par la suite. On ne sait jamais. Je n'ai pas encore trouvé d'animaux. Je ne sais pas si je pourrais manger.
ces plantes pourront peut-être m'être utiles pour la suite. Je regarderai peut-être à nouveau le livre de survie de mon enfant. Il pourra peut-être m'être utile à me donner quelques... Mais qu'est-ce? Voilà, un nom. Quelle est cette chose? On dirait une effigie totem. Cannibale. Des têtes. Oh non. A-t-il eu autant de massacres? J'espère que c'était pas les campeurs. Je veux enlever cette chose. Ça me fait vraiment trop peur. Qui a mis ça là? Je ne veux vraiment pas le savoir. Récupérons. Bon, pas que ça reste là. Il y en a un autre là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est un peu différent celui-là. C'est une femme. Une prêtresse peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a rien à faire là. Et pourquoi avoir mis ça là? Je n'ai pas ces réponses. Ça commence à m'agacer. Je me dis pourquoi ces choses sont arrivées. Des plantes, j'espère qu'elles pourront me servir. Il y en a d'autres ici, prenons-les. Et cet arbre, en plein milieu de cette falaise, assez vigoureux. Je me demande vraiment ce qu'il fait là. Quel est cet endroit? On dirait un espace qu'on peut détruire. Qu'y a-t-il en dessous? Je me pose la question. Peut-être aurai-je la réponse un jour. Mais en tout cas, je ne veux pas le savoir tout de suite. Comment ai-je pu rester en vie si longtemps? Sachant que la personne qui était dans le bateau avec moi était déjà... parmi nous depuis un certain temps. Et qui l'a posé là? Car il n'y avait pas de sang. Peut-être y a-t-il encore quelqu'un de vivant sur cette île? Il y a l'air de rien avoir autour. Quel dommage. J'aurais bien été voir s'il y avait de la vie ailleurs, car ici j'ai vraiment très peur. Je vais essayer de voir s'il y a encore quelque chose à récupérer au long de cette plage. Avant de rentrer, je commence à avoir très faim et très soif. Et... la possibilité. L'eau de mer, ça pourrait vraiment nuire à ma santé. Il y a des petites bouteilles. Je vais peut-être les récupérer. Ça pourra en être utile. Vraiment avoir faim et soif. Cette journée va bientôt se terminer. Il y a le soleil qui commence à décliner, je le vois à la lueur de la lumière. Encore des bouteilles, prenons-les. Ça pourra m'être utile, à mon avis. C'est les seules choses que je puisse trouver ici pour l'instant. Des valises. Je me demande vraiment comment elles ont pu arriver là. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur.
pouvoir me servir peut-être. Il y a encore quelques valises ici. Ouvrons-les aussi. Une pile? Tiens donc. De quoi ça me servir une pile? Je n'ai pas encore trouvé d'électronique ici. Mais prenons-la quand même, on ne sait jamais. Je suis plus à un niveau de ma boisson. Je vais en profiter. Mon sac n'a pas l'air très grand. Mangeons un peu aussi peut-être. Non. On verra ça plus tard, en fin de journée. Le plus important, une poire. La faim, ça se passe. Une montre, ça pourra peut-être m'être utile. Je ne sais pas. À manger encore. Oh, un arc-en-ciel. Que c'est beau. Ça donne de l'espérance. On se dit que tout n'est pas fini. Profitons-en un peu. Ça va sûrement pas durer. Je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Je vais quand même aller là-bas, voir s'il n'y a rien qui pourrait m'être utile. J'ai vraiment peur de cette forêt. Je ne sais pas ce qui se cache derrière. Mais peut-être qu'il y aurait déjà. J'hésite encore à y aller. Je sais vraiment pas par où commencer. Cette île a l'air si grande. Un drôle de tronc. Je me demande vraiment comment il est arrivé là. L'arbre. Il devait vraiment être grand. Il a l'air de rien avoir. Des falaises abruptes vers la mer. Ça risque d'être dangereux. Prenons plutôt par là. J'ai vraiment peur. Je ne veux pas aller dans cette forêt. Peut-être y irai-je demain. Aujourd'hui, je ne me sens pas capable. La nuit va arriver. Je ferai mieux de retourner au bateau pour l'instant. Dans quelques minutes, la nuit va tomber. Allons-y. Faisons attention au corail, on pourrait se blesser.
idée tout à coup. Pourquoi ne pas essayer? Non, c'est une bêtise. Quoique, regardons. Essayons de faire un feu. Cela pourrait nous réchauffer. Tiens. Le guide nous dit qu'on a récupéré quelques plantes. Serait-il intéressant de tout trouver? Je me pose encore des questions. Bon, essayons de mettre un feu. J'espère que je pourrai le poser. Je pense tout avoir pour pouvoir le fabriquer. Utilisons celui-là. Ou un autre? Je ne sais pas encore. Non, plutôt celui-là. Il est plus simple. Essayons de le poser. Ça n'a pas l'air ici. Peut-être. Plus bas. Je ne sais pas. Essayons de le mettre plutôt dans la cale. Ça pourrait réchauffer l'intérieur du bateau. La nuit est déjà là. Faisons vite. Oh non, je n'ai pas toutes les ressources. Je ne pourrai pas allumer de feu aujourd'hui. Quelle mauvaise nouvelle. Je ne pourrai pas me réchauffer. Encore une nuit froide à passer. Mangeons quand même, car la nuit risque d'être longue. Voilà que je suis fait, ça me fera du bien. Je pourrai enfin dormir, le ventre plein. Et cette île, sombre comme les ténèbres, je n'ai vraiment plus envie d'y aller. Mais malheureusement, je vais devoir pour trouver toutes les réponses qui me taraudent dans la tête. J'espère qu'elle est au moins accueillante. On verra ça demain. Allons dormir. Même au froid, ça nous fera du bien.